Dans les hôpitaux au sens général, tout le monde ne peut pas aller à l'hôpital se faire soigner. Si t'as pas de mutuelle. Ensuite, il y a les urgences. Si j'ai bien compris, il y a beaucoup de gens qui ont un petit bobo, qui vont faire la queue, puisqu'on leur a dit que c'était un endroit de libre service où on les recevrait sur leur propre diagnostic, gratuitement. C'est pour ça qu'il y a autant de gens aux urgences. Ce sont des gens qui se disent, moi ce que j'ai, il faut que ce soit un médecin qui le voit, donc ils vont à l'hôpital. Mais on a bien compris que le problème numéro un des urgences n'est sans doute pas le manque de personnel, mais est la typologie des gens qui s'y présentent. Mais personne n'en parle. On se dit simplement qu'il suffirait d'augmenter le nombre de soignants, etc. Il faudrait qu'il y en ait plus et plus et plus et plus. Et tous ceux qui ont un petit truc qui les gratte derrière l'oreille vont faire la queue à la truc. Et comme chez nous, on peut faire des scandales, se battre, insulter les gens, etc. Bon, il y a des bagarres, comme on sait bien faire, puisqu'il y a des bagarres quasiment partout où les gens peuvent aller librement. Mais je pense que ce qu'on nous dit des urgences ne nous emmène pas vers le vrai problème. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te paye. Ajoute maurice.usa sur Skype.